Sandra? Oh, maintenant, j'essaye de faire un peu les nouveautés chaque jour, quoi, pour vous en jaillir, quoi. Franchement, on aime beaucoup. Merci, Kevin. X-Men, j'aime ta tenue. Une fois. C'est la deuxième fois. Bon, pour la deuxième fois, voilà. J'ai été habillée par Keroro depuis tout est. Mais voilà. Yopougon, s'il vous plaît. Non, mais c'est moi, j'aime bien. En plus, je t'ai dit avant qu'on commence. Oui. Je veux continuer comme ça. Ah oui, continue comme ça. Franchement, mon bro, tu es sur la bonne voie. Oui, vestimentairement parlant, tu es vraiment sur la ligne droite. Tu veux pas le suivre. Et toi aussi, on voit que tu es toujours à Paris avec tes pulls. Ah non, mais moi, tu sais, moi, je suis un chevronné, un briscard de la mode. Hein. Moi, ça change pas. Hein. Franchement, le vêtement me connaît. Je sais le manier, je sais l'appréhender, je sais Gilles le porter. Gilles Doulet, pardon, passons à autre chose. Le coup de ça. Gilles Touré. Allez, observation des moments de télévision qui sortent du lot et tirent leur épingle du jeu concurrentiel médiatique. On épluche des instants de télévision qui génèrent forcément de l'intérêt et ouvrent le débat. J'aime le dire, ici, on aime faire de la télé, mais on aime surtout la regarder et, qui plus est, la décortiquer, les pères de la télévision. Dans ce midi sur RTI1, une mère de famille déchirée émeut tout le plateau. En effet, la mère esselée relate les raisons pour lesquelles ses enfants l'ont écartée de leur vie. C'est assez bouleversant. On regarde. Les enfants disent que moi, je suis à la base de tout leur malheur. C'est à cause de moi, ils ne se marient pas. Et à cause de moi, d'autres ne font pas d'enfants. Que moi, la nuit, surtout les garçons, ils n'ont pas encore eu d'enfants. Que moi, la nuit, je me transforme en jeune fille pour aller me coucher avec eux. Oh là là. Donc? Ils vous l'ont dit en face ou bien c'est pas personne interposée? Non. Ils ont dit ça en face. Mon fils qui s'appelle Herman, tu sais, c'est lui qui a commencé à m'accuser. Les autres, même la première, on était ensemble à la maison. C'est elle, quand elle s'élève, si son cœur là, ça chauffe, c'est elle qui m'insulte dans une grande cour, que je suis sorcière jusqu'à quand elle est contente de ses enfants et ainsi de suite. C'est super triste. Moi, j'ai une première question à poser pour l'objet télévisuel, hein, vu qu'on fait de la télévision. Est-ce que, déjà, si vous êtes d'accord avec le fait que cette maman totalement bouleversée partage son quotidien effroyable sur un plateau télévision en parlant de ses enfants, si vous êtes d'accord avec elle, pouce vert. Parce qu'il y en a qui ont dit, mais pourquoi elle expose ses enfants de cette manière? Et si vous pensez qu'elle n'aurait pas dû venir sur un plateau de télévision, pouce rouge. 1, 2, 3, vote! Vote. T'es pas d'accord avec le fait qu'elle soit venue en parler sur un plateau? Non, je suis pas d'accord. Après, ce sont ses enfants, c'est une maman. Je suis pas d'accord avec ce que les enfants ont fait. Parce que la Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Donc, peu importe les caractéristiques que tu penses que ta mère puisse avoir la nuit ou autre, je veux dire, la Bible, en tant que croyant, il faut honorer ses parents, voilà. Donc, mais venir exposer ses enfants comme ça à la télévision, bon, franchement, moi, j'accroche pas trop. Et X-Men, partage ton avis. Oui, nous sommes en Afrique. Hein. En Afrique, ici, on dit tu n'as jamais raison devant tes parents. Tu n'as jamais raison devant tes parents, donc... on ne sait pas exactement la vraie source, pourquoi ils se comportent comme ça avec leur maman. Mais venir elle aussi, elle seule sur le plateau, venir expliquer un problème, on n'a pas la version des enfants, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le fond, ce n'est pas bien. Tout le linge sale se lave en famille, tout doit se régler en famille, mais pas sur un plateau de télé. Inès, tu n'es pas d'accord? Moi, je suis animatrice télé, faut le dire. J'ai animé. C'est vrai, on n'avait pas remarqué. Animé La Réunion. Je suis désolée, mais c'est une émission de témoignage. On a besoin de ça pour faire la télé. Exactement. Donc moi, je vais pas cracher dans la soupe. Je vais pas dire pourquoi elle vient à la télé pour en parler. Si demain je me retrouve à réanimer La Réunion ou une émission de ce style-là, je suis désolée, mais moi, j'en aurais besoin pour mon émission. Donc d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est très touchant. Ce qu'elle a dit, de venir comme ça sur le plateau, exposer ça. Déjà, de une, j'ai envie de dire en gros qu'on a une seule maman. Elle n'a qu'à être comme vous voulez. Elle n'a qu'à être, voilà, tout ce que vous voulez. On n'en a qu'une seule. Donc, il faut la prendre comme un œuf, en fait. Peu importe comment elle est, il faut lui donner le respect, en fait, qu'elle mérite. Donc, personnellement, moi, cette histoire, elle m'a vraiment touchée. Parce que ça se voit qu'elle est, elle est peinée, en fait, tous ses enfants. Tous ses enfants lui tournent le dos, la traitent de comme ci, de comme ça. Donc,
C'est un très beau témoignage pour moi. Moi, il y a une petite question aussi qui me chicote un peu quand même l'esprit. C'est quelle déduction, qu'est-ce qui fait que ces enfants sont arrivés à l'accuser à elle, en fait? Parce que je ne sais pas si dans le reste de l'émission, elle en parle, mais je trouve que ça a quand même son utilité de savoir comment tes propres enfants, et comme a dit Perle, c'est tous ses enfants, il n'y en a même pas un qui est avec elle. Donc, comment cela se fait-il qu'au final, ils accusent leur propre mère, entre guillemets, de sorcellerie? Et je tiens à préciser qu'elle a 9 enfants. Oh, elle en avait 12. Je pense qu'il y en a 3 qui sont décédés, malheureusement. Ça. Et aujourd'hui, il en reste 9. Oui, mais justement... Et l'équipe de Cmidi a fait le taf, hein, parce que j'ai regardé l'émission de bout en bout. Docteur Philo disait qu'il a contacté l'aîné de la famille qui a refusé de venir. Ah. Voilà. Et le but de l'émission, c'était de rabibocher cette mère-là avec l'aîné et par ricochet, la rabibocher avec toute sa progéniture. Mais malheureusement, l'aîné a refusé. Ouais. Il y a quand même Anguille sous roche. Non, on ne connaît pas le fond, donc on ne peut pas trop s'étaler dessus. On espère que tout va rentrer dans l'ordre et beaucoup de courage à cette maman. Beaucoup de courage. Allez, un sujet beaucoup plus joyeux, parce qu'on parle de mariage, hein. on ne sait pas. Dans l'émission Huilé à midi sur notre chaîne préférée, Live TV, la télé sans filtre, un artiste ne rechigne pas à déclarer sa flamme à une animatrice de la chaîne. Le chanteur Fanico voit la vie en rose et souhaiterait qu'une certaine Brazing Girl l'accompagne. On regarde. C'est trop facile si je te laisse partir comme ça sans te poser la question. On a une animatrice ici excellente qui s'appelle Brazing Girl. Qu'est-ce qui se passe entre Brazing Girl et Fanico de Jésus? Nous, on ne fait pas polémique, mais aujourd'hui, là, c'est moi qui fais polémique. Il faut que tu nous dises. Mais il ne se passe rien. Il se passe quoi? C'est une belle femme, non? Il faut nous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Sinon, l'émission, on continue jusqu'à 13h aujourd'hui. Il n'y a rien, frérot. Tu sais que je suis le lover de cette dame. Mais tu es fan d'elle ou bien tu étais fan d'elle? Comment on peut pas être fan d'elle? Mais oui, on sait que comment on peut pas être fan d'elle, mais Fanico, j'ai dit comment on peut pas être fan d'elle. Donc tu es fan d'elle? Ça peut arriver. Fanico, tu es fan de Brazing Girl ou pas? Tu es fan d'elle ou pas? Moi, je suis fan de toutes les belles femmes. Tu es fan de toutes les belles femmes? Si tu ne dis pas, hop, on lui donnait un pain. Mais avec plaisir. Un plaisir. Avec plaisir. C'est bien sûr, la question reste posée. Il veut te caser. Hey. Oh, la braise. On a quitté dans suspect pour arriver dans Non, toi, non, arrête. Hey. Arrête un peu avec suspect, arrête un peu. Brazing, avant qu'on en débatte, moi j'ai une première question. Mm-hmm. Qu'est-ce que toi tu penses de Fanico? Est-ce que c'est ton style d'homme? Est-ce que ça pourrait un jour potentiellement, hypothétiquement, matcher ou pas? Style, je pense que j'en ai tellement parlé que c'est plus un secret. Grand, donc, j'ai dit grande taille. En tout cas, tu peux être clair, tu peux être noir, mais mince, pour moi, c'est la base. C'est la base. Voilà, donc si on parle du genre physique, je pense que j'ai déjà été claire sur ça. Mince, grande taille. Mais déjà, est-ce que vous avez trouvé Fanico sincère, honnête? Si vous l'avez trouvé honnête, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. Moi, j'étais sur le plateau. Ah, tu étais. Ah, dis-nous tout. J'étais en direct, donc je l'ai trouvé très sincère parce que Willy a vraiment, tu vois, essayé de lui tirer les vers du nez, comme on dit. Donc, je l'ai senti vraiment sincère et qui parlait vraiment de son cœur. Hein, donc, affaire à suivre. Moi, je ne veux pas réagir comme on le fait pour les autres perles. Hein. Brazing, tu connais Fanico en dehors de... Non, mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est que... Ce qui me fait rigoler, c'est que, tu te rappelles, tu étais même à l'émission à La Réunion, où on était en train de parler dans la discussion, j'ai laissé dire que Fanico, effectivement, il t'envoyait des codes phares. C'était, en fait, le thème, c'était être une star, une célébrité en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que c'est? Et les invités, il y avait moi, il y avait Fanico et il y avait Série Dorcas. Et l'émission était pilotée par Suspect 95 et Brazing. Et tu lui as dit à Fanico... Bah, gars, mon ami, faut dire la vérité, tu m'as dragué dans le passé. Ouais. Et il a démenti, quoi, voilà. Clairement. Donc, moi, en fait, qu'il arrive à la télé, qu'il le dit, ça prouve que je ne mens pas. Tu avais raison de la base. Même draguer, c'est pas forcément dans les mots. Oui, bien c'est sûr. C'est dans les actes, bien tu sais qu'il y a un truc. Mais j'aime bien Fanico, j'aime bien Fanico. Il est feel good, cool. Il est gentil, il est bon enfant. Et puis, c'est un mec qui ne tarit pas des loges pour apprécier les autres. Il est très sympa. Beaucoup de courage dans sa carrière. Ouais. Sinon, Perle, Fanico, c'est ton style ou pas? Ben, écoute, moi aussi, je parle avec lui dans le passé. Oh mais non, c'est pas mon style, en fait.
Ah, c'est pour ça, d'où la question, tu as laissé suspect, tu as laissé Fanny quoi, un peu de colère, non, je ne comprends pas. Non. Tu fais une fixette sur ma relation avec suspect. Aucune... Il y a eu quoi dans le passé avec Fanny quoi? Avec Fanny quoi? Non, rien de spécial, juste on échangeait vite fait, il y a des années, mais bon, rien de... C'est pas allé au-dessus de... Voilà. Ibaï, tu connais aussi Fanny quoi? Oui, j'ai travaillé avec lui. Non, mais c'est la vérité en plus. Oui. J'ai travaillé avec lui sur son clip à Bassam, c'était... Vas-y bébé, bouge ta hanche, ouais. Comme ça. Oui, oui, oui. Oui, j'ai travaillé avec lui, c'est tout. Ensuite. Donc, et pour le coup, dans le clip... Ah, il dit ensuite. Il n'y a pas de... Ensuite, arrête tes trucs. Et pour le coup, dans le clip, t'as bougé tes hanches. Bah oui. Ah, ça, c'était avant, hein, mais non. Franchement, il est très sympa. On a déjà collaboré ensemble. Cool. Mais sans plus, quoi. J'ai pas de... Non, pas du tout. Pas du tout. Fanny quoi, tu es fort. Oh, je connais aussi Fanny quoi pour laver mon linge. Hey, c'est plus qu'on a demandé à tout le monde. Moi aussi, je connais. Il dit le lover de ces dames. Tu connais Fanny quoi? Oh, pour laver son linge. Je lave mon linge avec. Oh. Ouais. Non, mais... Fanny quoi, franchement, la petite sauce te salue. Vraiment. Bisous là-bas. Beaucoup de courage, Fanny quoi. Applaudissez Fanny quoi. Franchement. Allez, une vidéo publiée sur Internet a suscité un émoi sans pareil. Une coach qui a décidé de se fendre en contrition à l'égard du peuple ivoirien. Un acte d'humilité qui n'a absolument pas récolté les réactions escomptées. L'assiette d'Internet. La coach Lady Sonia demande pardon à la nation ivoirienne à l'occasion de ses 50 ans. La coach en développement personnel a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux, vidéo dans laquelle elle implore le pardon de tous les Ivoiriens. On regarde. Je voudrais profiter de cette journée de 50 ans pour m'arrêter et m'adresser à la Côte d'Ivoire. Chère Côte d'Ivoire, je viens aujourd'hui vous demander pardon. Pardon, parce que je vous ai fait mal. J'ai été un enfant... insolent. J'ai tenu des propos contre la Côte d'Ivoire qui n'étaient pas corrects. Je demande pardon. À quiconque j'ai blessé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vraiment, pardonnez-moi, simplement. Mais surtout, Côte d'Ivoire, vous êtes un peuple hospitalier. Je vous demande pardon pour les propos que j'ai tenus envers vous. Quand il y a un problème dans une famille, et que l'amour règne, on ne cherche pas vraiment à savoir qui a tort, qui a raison. Ça fait un an et quelques qu'il y a eu beaucoup de grabuges. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont choquée et dans la colère, j'ai parlé. Je ne voulais pas parler à la Côte d'Ivoire, je m'adressais à un groupe de personnes, mais j'ai commis l'erreur de mettre tout le monde dans le même sac, alors que non. Bon, pour le contexte, hein, il y a un an, Lady Sonia a proféré des invectives à l'encontre du peuple ivoirien sous fond de friction avec la célèbre coach Amon Chik. Et après sa vidéo d'excuses, une pléthore de commentaires a afflué. La majorité des internautes trouvent coach Lady Sonia insincère, hypocrite, manipulatrice. Voilà, rien que ça. Lady Sonia serait à Abidjan en ce moment pour une dédicace d'une œuvre littéraire. Si vous pensez que elle est sincère, pouce vert. Et si vous pensez que c'est totalement hypocrite, mais pouce non, rouge. Elle a un événement. Elle a un événement dans le pays qu'elle a rabaissé. Donc ça veut dire que... C'est, moi, je trouve pas ça sincère, hein, personnellement... T'as un événement, tu sais que voilà, tu les as insultés, là tu sais que t'as besoin d'eux, t'es obligé de voilà, de graisser la patte. Donc moi je trouve pas ça trop sincère. En plus c'est un an après tu viens demander pardon donc. Inès, t'es mitigée. Très mitigée. Ouais. En fait comme on le dit, le pardon est divin, mais ça peut être sincère, mais le moment choisi m'allait un peu trop. Intéressée, on va dire exact. Ça comme ça. Si elle est réellement à Abidjan pour la dédicace de son livre, franchement, la coïncidence, tu m'étonnes, c'est un peu trop subitement, tu es désolée, tu viens t'excuser. C'est vrai que quand il y a eu l'histoire avec Coach Amon, tout le monde a pris parti, bien évidemment, Coach Amon est ivoirienne, tout le monde a pris parti pour Coach Amon parce que c'est quelqu'un de... Tu fais des blagues sur elle, jamais elle t'insulte. Ouais. Kevin Aubin qui avait dit qu'elle cuisinait mal et tout ça, mais elle le prend tellement avec humour. On aime Coach Amon et c'est ça l'ivoirien. C'est-à-dire qu'il peut insulter son propre frère ou sa propre sœur, enfin ivoirien ou ivoirienne, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, on le prend très mal. Ouais. Donc si tu dois demander pardon, si Coach Amon doit demander pardon à quelqu'un directement, je pense que ce serait Coach Amon. Si Lady Sonia, pardon, devrait demander pardon à quelqu'un, c'est Coach Amon. Maintenant, si Coach Amon vient et puis elle dit, la séance est levée, là, nous sommes là, et puis on dit, bon, on a pardonné, mais là, la coïncidence est trop. Sortie de livre, dédicace, en même temps, tu demandes pardon, ça l'est un peu. Ouais, le pardon peut être
sincère, mais un peu trop intéressée. Voilà. Sandra, je pense qu'elle est sincère. Il n'y a pas trop rien à rajouter, hein, c'est pareil. Franchement, c'est un peu bizarre. Que comme par hasard, comme on a dit, un an après, si elle avait déjà fait ses excuses au moment où ça s'est passé, OK. Mais au moment où elle sort son truc, c'est un peu son actualité qu'elle veut mettre en avant, je pense. Mais bon, je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle est sincère. Bon, après, je ne vais pas mentir, hein, je ne vais pas faire celui qui ne la connaît pas. J'ai fréquenté Lady Sonia il y a quelques années. Elle m'a fait confiance pour un événement qu'elle montait sur Paris. Elle m'a gracieusement rétribué. Mm. Donc, je ne vais pas cracher dans la soupe. Et qu'importe le timing, qu'importe le fait qu'elle... Elle aurait pu venir à Abidjan. Elle aurait pu faire son événement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, elle a encore une armée de fans derrière elle qui sont ivoiriens et ivoiriennes. Elle aurait pu fouler le sol du territoire ivoirien, faire son événement, prendre son argent et se casser. Mais si elle vient comme ça émettre un acte de contrition, demander pardon, je pense que c'est sincère. Du haut de ses 50 ans, elle ne va pas fomenter des excuses totalement biaisées pour juste avoir de l'argent et glaner du monde à son événement. Donc moi, je pense qu'elle est sincère. Et franchement, les Ivoiriens savent étrier. Les Ivoiriens savent titiller, mais les Ivoiriens savent surtout pardonner. Oui, oui, donc, on n'a pas gros cœur. Voilà. Donc, franchement, il n'y a pas de souci. Lady Sonia, tu pourras venir vendre ton livre. Après, bon, si la qualité littéraire du livre est un peu compliquée, là, on pourra en rediscuter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. X-Men, pour conclure. Bon, si moi, je draguais une go dans le passé qui m'a fait taper poteau parce que je n'étais pas connu et que maintenant que je sors à la télévision... Elle veut revenir vers moi. Je vais regarder son comportement. Si elle veut vraiment de moi parce que je sors à la télévision, parce que je porte des complets. Excuse-moi, voilà. C'est quoi le rapport? Franchement, moi, je ne sais pas. Il veut dire par rapport à sa sincérité, il dit lui-même, il ne sait pas. Il dit lui-même, il ne sait pas, mais il fallait qu'il dise, il dise quelque chose. Donc, tous les jours que Dieu fait, tu as fait coq à l'âne. Non, tu sais, je t'explique la situation de Lady Sonia. Là. C'est du genre, elle était dans le cœur des Ivoiriens avant. Il y a eu un discours. Elle n'a pas demandé pardon, elle a laissé son coin, parce qu'elle n'avait pas besoin de nous. Maintenant, elle a besoin de nous, elle vient demander pardon. Le pardon, là, est-ce que c'est un pardon opportuniste? On ne sait pas. C'est en fonction de la durée du comportement. On saura si vraiment elle est venue. C'est pareil pour... Tu aurais pu expliquer ça comme ça depuis le début. Il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire une émission. Voilà. Donc, non, mais ce que dit Kevin, que le simple fait qu'elle s'excuse, toute personne qui s'excuse, comme on demande pardon à Dieu, je pense que c'est déjà bien, comme tu dis, qu'elle l'ait fait, quoi. Ah non, mais franchement, je l'aime beaucoup, mais en même temps, elle n'avait pas le choix. Franchement, oui. Bisous, coach Amon. Bisous, coach Lady Sonia, et bisous à tous les coachs de la Terre. Non, mais allô, quoi. Attends, mais attends. Je dis là aussi, ouais. Mais peut-être que tu es là, on te bisous comme on veut. Tant qu'à faire. Bisous à coach Tant Inès. Tant qu'à faire, voilà. D'ailleurs, Inès Brezinger s'apprête à intégrer sa cuisine interne pour écumer tous vos problèmes de cœur. Un ensemble. C'est pas ça, c'est pas ce que tu l'as dit. Je vais vous montrer que j'ai beaucoup, j'ai du vocabulaire. Piégé dans ses propres mots, Kevin Aubin. Mettez la caméra sur moi. Une armada. Voilà. Une pléthore. Une pléiade. Voilà. C'est ça, de messages. C'est mon moment. Synonyme. C'est la cuisine éterne. Tout Brezinger. Attends, florilège. Mais je sais, florilège. Florilège. Li. Florilège. Bro, li. Florilège. Florilège. Mais tu as beaucoup de synonymes dans ton vocabulaire. Flo. Poli. La prochaine fois, je vais dire plusieurs. La première histoire. C'est moi, je lis. Hein. Ton habit rouge, là. OK. Bonjour, la braise. Je suis mariée à une femme depuis maintenant plus de 6 ans, mais depuis un moment, son comportement a changé. Ma femme est devenue très possessive avec moi. Je ne peux plus m'adresser à une autre femme sans que ma femme me sorte des crises de jalousie. Un jour, j'en ai eu assez de ce comportement. J'ai voulu quitter la maison, mais pour m'empêcher de le faire, elle a sorti un couteau dans la bagarre. Elle m'a poignardée. Par chance, ce n'était pas une grave blessure. Après cela, elle me dit qu'elle va changer de ne pas la quitter. La braise, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Je l'aime toujours et je suis perdue. J'ai besoin de tes conseils. Je salue en passant Kevin, Sandra, X-Men, Perle et Yibaï. Il n'a pas dit ton nom, mais j'ai dit. Ah, il y a un souci hein, avec Yibaï. Ah, je pense qu'il a un problème avec moi. Donc ouais, je ne vais pas interférer. Oh, je pense que c'était un oubli. Ah, mais j'espère que ce n'est pas ton histoire, Yibaï.
Non, mais non. Okay. Je ne suis pas agressive. Je suis pas... Ça va, ça va, Ibaïe, ça ne s'appelle pas Nabila. Voilà. C'est Nabila qui a poignardé Thomas. Nabila a poignardé ça. De... Je ne suis pas agressive, Dieu merci. Voilà. D'accord, mais tu peux en même temps donner ton avis sur ça. En fait, c'est, je crois que c'est l'une des premières fois où on reçoit où tu reçois un message de personnes mariées. Ouais. Donc, c'est encore plus délicat. Mais je pense qu'une fois qu'il y a violence dans un couple, si c'était une femme, on lui aurait dit de quitter. Si c'est un homme, moi, je dirais pareil. Bien sûr. Parce que rien ne justifie la violence dans une relation, dans un couple, même si on a fait 30 ans, 20 ans de mariage. Sortons de ces sentiers où on veut nous canaliser. Je veux dire, la violence ne doit pas exister dans un couple. OK, on peut être jaloux. OK, à un moment, on peut être très possessif. Mais de là à poignarder, parce que non, c'est trop violent. Et je pense que c'est comme les femmes, les hommes qui tapent la première fois une femme, ils demandent toujours pardon, sous prétexte qu'ils ne vont plus recommencer. Mais malheureusement, quand tu laisses tes émotions prendre le dessus, et surtout la colère, hein, au point de porter main une fois, tu te dis que si un pardon a été accepté une fois, il peut être accepté une deuxième fois. Et après, c'est de recommencement en recommencement. Voilà, je ne peux pas te dire officiellement comme ça, quitte ton foyer. Si. Mais si. Moi, je veux dire juste quitter. Quelque chose. On prend couteau pour mettre dans ta chair. Toi, tu restais caché ou bien? Faut partir. On doit te dire ça comment? Comme je dis souvent, on t'a raté une fois, mais tu redonnes le flingue pour qu'on réessaye deuxième fois. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Le gars, il est déjà, la go, elle est déjà violente. Tu sais, mon frère, hein, en amour, ce n'est pas seulement le meilleur, il y a aussi le pire. Et c'est pour ça qu'on dit pour le meilleur et le pire. L'amour, c'est vrai qu'on se donne dans une relation, on décide de marcher ensemble, d'évoluer ensemble. Mais c'est surtout d'accepter et de supporter certaines choses. Excuse-moi, je te coupe, je me permets de te couper. Là, on parle de violence. Attends. Non, je te coupe. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Je vais te laisser aller au bout, mais je tiens à préciser. Bah, écoute, il y a des gens qui nous regardent. C'est une heure de grande écoute. C'est un pré-access télévisuel. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Ça n'engage que toi, mais j'ai aussi la responsabilité de dire qu'on condamne tout type de violence et quelle qu'elle soit la cause, quelle qu'en soit la raison et quel qu'en soit le contexte. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux dire. Je n'accepte pas la violence, bien entendu. Ah, bah, mais je te dis, la quitter n'est pas forcément la solution. Parce que tu es avec elle, c'est ta femme. Il y a des moyens aujourd'hui d'amener une personne à changer. Voilà. Elle peut suivre une thérapie. Tu te donnes un temps pour voir son évolution. Pour thérapie, voir son tu connais les moyens du monsieur. Ah. Thérapie, l'on paye. Ça coûte cher, hein, bon, les déjà, pour renchérir... Si tu veux te séparer d'une femme, c'est vrai qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais ça peut arriver souvent. Il y a le stress, il y a l'émotion, il y a certaines émotions qui montent. Donc, tu peux essayer de la traiter pour qu'elle guérisse de ce mal-là. C'est peut-être une maladie. D'accord. Perle, vas-y. Moi, j'ai envie de dire, en gros, que, tu sais, si on s'est arrêté au problème de, oui, ça fait 6 ans, on est mariés, il y a un problème de perte de confiance en soi, etc. Je t'aurais dit de la rassurer, etc., de refaire ce que vous faisiez avant et tout, pour lui montrer, voilà, pour lui donner un petit peu confiance en elle, etc. Mais à partir du moment où il y a l'affaire du couteau, de violence, de blessure, etc., non. Si elle l'a fait une fois, elle va refaire ça 2 fois. Est-ce que j'ai dit d'accord. Donc, un conseil quitte. Ouais. C'est pas du tout safe, ça. Ouais, et moi, en fait, comme Perle a dit, si on s'était arrêté à la première partie du message, effectivement, moi, pour moi, si la dame est subitement devenue jalouse, c'est qu'il y a eu un fait, il y a eu une action qui s'est passée, action-réaction, d'où le fait qu'elle soit devenue jalouse. Mais quand on va plus loin et qu'il y a une sorte de... Enfin, il y a une violence qui intervient, je suis désolée, tu as dit, dans la vie, dans les relations, il y a le meilleur et il y a le pire. C'est pareil dans les conseils, quoi. Il y a les meilleurs conseils, il y a les pires conseils. Parce que, franchement, on ne peut pas parler de violence. Quelqu'un qui prend un couteau, d'accord, bon, à supposer qu'elle avait réussi à piquer le gars. Tu vois, faire une thérapie avec qui, elle est mort. Mais oui. Tu ne fais pas de thérapie quand tu essaies de blesser quelqu'un. Après, moi, je ne peux pas venir. En Afrique, de manière générale, le mariage, c'est un sacrement. Tu ne peux pas donner, c'est pour ça que moi, je ne sais même pas comment utiliser le thème, mais je ne peux pas te dire, par exemple, divorce. Mais je te dis, à ta place, quelqu'un qui me prend un couteau, qui veut essayer, je touche du bois, mais je suis désolée, je ne reste pas dedans. Même si tes parents sont au courant de ça, tu ne vas pas perdre la vie à cause d'une relation de je ne sais pas quoi. Même quand tu vas à la mairie et que tu dis le meilleur et le pire, il y a une option où les violences ne sont pas dedans. Ça. Le pire, là, il n'y a point de violence. C'est aucune violence, en fait. Dans le pire, quand on dit le pire, c'est genre la pauvreté. Mais la justice même, devant laquelle vous vous mariez et qui atteste que vous êtes mari et femme, condamne tout type de violence. Donc, bravo. Franchement, le pire que tu lui demandes de supporter là, c'est tout sauf des couteaux qu'on prend pour poignarder quelqu'un. Elle peut avoir sa peine pour l'action qu'elle a posée, c'est normal.
mais il peut l'aider à guérir parce que c'est son homme. Bon, d'accord. Heureusement que c'est ma rubrique. Je vais terminer. Hein? Mon gars, on a l'habitude en tant que femme de défendre les femmes, ouais. Mais on ne peut pas défendre l'indéfendable. Yes. Franchement, exactement. Tu peux pas, une femme ne va pas prendre un couteau pour essayer de... Si jamais elle avait réussi, tu as dit heureusement que ça n'a pas été quelque chose de profond. Si elle t'avait tué, je suis désolée, tu n'aurais même pas eu la santé ou la vie pour pouvoir m'écrire. Si tu veux mon avis, je ne peux, moi personnellement, je ne peux pas rester dans un truc où même que ce soit les collègues sans relation, quelqu'un qui va prendre un couteau pour essayer de m'ôter la vie, je suis désolée, ouais, je quitte dedans. Voilà. Peu importe la longueur de la de prochain la message. Deuxième message. J'ai fait la connaissance d'une jeune fille depuis 2016, lors des vacances. C'était un coup de foudre et les choses sont allées vite. Mais nous étions obligés de nous séparer à la rentrée, mais la relation continuait, donc une relation à distance. Mm-hmm. Le problème est qu'elle est la demi-sœur de la femme à mon cousin. D'accord. Mais sachez que lorsque nous nous sommes connus, sa grande sœur et mon cousin n'étaient plus ensemble. Il y avait seulement un enfant entre eux. Mais puisque dans le foyer où sa sœur était, ça n'a pas marché, elle s'est retournée avec mon cousin. Hein? Ok, continue, moi j'ai compris. Elle s'est imposée à notre relation, donc nous étions obligés de nous séparer. Mais après des années, je me rends toujours compte que j'aime vraiment cette fille et je lui ai fait part et c'est réciproque. Mais je me demande, est-ce que cette relation est possible? Ibaï. Pour ceux qui n'ont pas compris, il a un cousin. Son cousin a une femme et la demi-sœur de cette femme-là est sa copine. Je veux dire que vous vous êtes connus avant que ton cousin et sa femme se mettent ensemble. Il n'y a point de lien de sang pour venir interférer votre relation. Ou alors, c'est... En fait, je ne comprends pas. Ouais, il n'y a pas de lien de sang, en fait, de ce point de vue-là. Donc, je veux dire, oui, si vous vous aimez, franchement, vous êtes adultes. J'ose croire que vous êtes des adultes. Donc, vous n'allez pas laisser une grande sœur venir interférer dans une relation. Je veux dire... Mais moi, je ne sais même pas pourquoi, en fait, elle est contre. Parce qu'il n'y a aucun lien, en fait. C'est ça que c'est je ça. Pense que... Elle est... En fait, il y a un truc peut-être qui ne nous a pas dit. Non. Elle a tout dit. En fait... Afrique, c'est comme ça. Oui. C'est vrai. Ah ouais? En Afrique, c'est comme ça. C'est-à-dire, par exemple, je te donne un exemple. Ibaï et moi, on est sœurs. Ibaï sort avec... Elle est mariée à un homme. Vous êtes demi-sœurs. Moi, je ne peux pas sortir avec le frère. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun lien. Ah ouais? Mais moi, je ne peux pas sortir avec le frère. C'est comme ça en Afrique. Ah bon? Ouais. Ça, c'est l'Afrique, quel côté? Quel côté? Moi, si je t'aime, on s'en va. Hein? Je suis d'accord. Ouais. Non, sur ce point-là. Sur ce que Brésil me dit, c'est vrai. Mais là, c'est son cousin. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est trop éloigné. Voilà. Les liens, là, sont trop éloignés. C'est éloigné. Oui, on c'est est dans une année comme ça où les paix se volent, se revolent, on se touche, on se retouche. Tu vas venir réfléchir sur une relation lointaine comme ça? Mais prends le pain, croque-le! Qu'est-ce que tu attends? Je ne sais pas, je vois même pas le problème, elle raison, franchement. Elle a raison, vis ta relation. À nous, allez. Vivez votre relation, les affaires de huile, la famille, les traditions, c'est arrêtez. C'est donc, bon. Permettez-moi de conclure. Effectivement, moi, je pense que cette relation-là, elle est possible. Franchement, vous aimez, vous êtes des personnes adultes. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, d'autant plus que ça ne fait pas les sensibilités de part et d'autre. Exactement. De faire quelque chose, vous n'avez pas tué quelqu'un, vous n'avez pas poignardé quelqu'un. Ouais. Donc, franchement, vivez votre love, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Franchement, l'amour a ses raisons que la raison ignore. C'est trop compliqué. Ouais. Et on ne choisit pas de tomber amoureux, ça s'impose. Laissez-moi vous le dire. Certains amis, par exemple, refusent catégoriquement. Bon, je veux mettre le son de Titanic là. Oui. C'est dans les deux bien sens, Kevin. Des fois, tu veux tomber fort, mais tu ne peux pas. Parce que là, c'est une question de famille, mais il y a même des amis qui refusent catégoriquement de vous voir vous amouracher avec leur frère ou leur sœur. Pourriez-vous vous mettre en couple avec le frère de votre ami? Répondez oui ou non sur les pages Facebook et Instagram de Live TV. Pub. Sur le plateau de la petite sauce, une équipe survoltée qui ne tarit pas d'effort pour vous infuser un divertissement des plus alléchants. Une émission assaisonnée par les interventions totalement surréalistes d'X-Men. Brazing y apporte sa dose de piquant. Perle rare 14 nous poivre tout ça avec ses allures de star. Hein. Vous voyez de vous-même. Et Ibaï saupoudre le tout d'une douceur infaillible. Quant à elle, Sandra s'apprête à nous faire découvrir des astuces aussi intéressantes les unes que les autres. Ce sont les astuces pimentées de Sandra.
Alors, mes astuces, c'est toujours des astuces pas chères, accessibles à tout le monde. Donc, vous allez voir la petite capsule d'aujourd'hui. Par contre, j'ai oublié de préciser qu'il faut bien laisser bouillir l'eau. On regarde. Astuces naturelles et pas chères pour que la maison sente bon. Bouillir un peu d'eau dans une casserole. Passez de la lessive en poudre de votre choix. Emmenez-vous avec dans toute la maison. Vous allez voir, fraîcheur garantie. Toutes les pièces. Rapide, accessible à tous et super efficace. J'attends vos demandes d'astuces pour la maison ou tout autre secteur qui vous intéresse sur mon Instagram Sandraxif ou sur les pages de Live TV. Attends, plus voilà, précisément, c'est pourquoi ? Petite astuce sympa. Alors, si vous avez par exemple une mauvaise odeur dans la maison, au lieu d'acheter des sprays, des fois souvent avec du gaz, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus naturel. Vous faites une bonne marmite. Bon, là, elle était un peu petite. Prenez une grosse marmite, vous faites bien bouillir. Vous mettez de la lessive en poudre. Et en fait, c'est la vapeur, donc de l'eau bouillante, qui va parfumer. Et surtout, ça reste très longtemps. Ça reste jusqu'à 72 heures. De la lessive en poudre. Lessive en poudre. Ça s'imprègne dans les... En fait, quand tu passes avec la vapeur, ça s'imprègne dans les rideaux. Il faut bien mettre dans les rideaux, dans les coins un peu. Par exemple, s'il y a une litière de chat à côté du chat. Et ce que j'aime, c'est la fraîcheur. Comme sur le linge, ça reste vraiment 2 à 3 jours. C'est pas dangereux pour les yeux ? Ben non, pas du tout. Et je trouve que c'est beaucoup plus accessible, on va dire, et économique, que les sprays. Ouais. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Sandra. Franchement, on en apprend des pas mal avec toi. Et merci. Vous en apprendrez encore. Ah ben voilà, parce que tu es là jusqu'à la fin de la saison, bien évidemment. On Inch'Allah. Pourra pas se passer de ta présence sur ce plateau. Merci, merci, Kevin. On me dit que j'allais jeter à l'ail. Ah oui, c'est vrai. Ah, quand t'es levé, tu vas me tuer. Oh là. Oh, fais-moi mousser là. Mais à vous, tu envoies d'abord le merci beaucoup. John Cena. C'est que Abou, tu as force, hein. Pas tout à l'heure, j'ai vu 2 gars faire entrer ça. Ils étaient deux pour compter. Abou a force. Merci Abou. Merci beaucoup. Reculer normalement, t'es là. Tu peux pas reculer le truc. Mais qui Qu'est-ce que c'est? Je suis déséquilibrée là. Toi, tu te retournes là-bas. Tu sais que si elle a quelque chose dans la tête, elle va faire où? T'aimes ce genre. Faut vous lancer. Il fait ce que je veux. Tu as fait tomber mes fiches. T'aimes ce genre. Il a profité pour faire la belle en mettre. Ouh là là, on peut baisser un peu la tenue pour regarder. Bon, Kevin, c'est bon. C'est bon, c'est le JT à live du jeudi 4 mai 2020. On va essayer de commencer. À tout prix. Ça se passe au Kenya. Une influenceuse du nom de Coop a offert un iPhone 14 et une somme d'argent à sa meilleure amie à l'occasion de son anniversaire. De prime abord, l'on pourrait qualifier cet acte de banal entre deux amis. Que nenni. Ce serait plutôt pour que sa meilleure amie ne ressente pas le besoin d'avoir d'autres meilleurs amis. Ah oui, elle veut l'avoir pour elle toute seule. Les amitiés qui coûtent cher. C'est que je n'ai qu'à mourir seul. Si je dois te payer pour que je sois ton seul meilleur ami. Moi-même, en ce moment, ma meilleure amie en date, elle s'appelle Danielle. Elle vend la nourriture. Quand je commande là, 1, je paye. 2, elle met une seule aile de poulet. Que je la garde comme meilleure amie. Oh. Que je la garde pas aussi. Il y a quelqu'un qui s'en fout, c'est elle. Mais c'est réciproque. Parce que moi-même, la dernière fois, elle m'a demandé, on était en France, elle m'a demandé 50 euros. J'ai dit, ah, j'ai 5 euros. Maintenant, si c'est trop pour toi, et puis tu supposes qu'on ne peut plus être amis à cause de ça, faut partir. Tu l'as remboursé, elle, de poulet, là. Amitié. Amitié qui finit vite en vrai, vers d'où on s'est dans l'avion, là. Amitié du pain, hein. On a vu des émissions télé, même où les gens se fréquentaient, et puis un coup, boum, ça s'est gâté. Mais c'est pas ici, hein, c'est à côté. Mais le truc, c'est que Kevin... Les chaînes, fait, les autres chaînes. Et si c'est le sens inverse, c'est-à-dire ton ami... Tu as un ami, voilà, qui est prêt à te donner tout ce que tu veux pour enlever tous les amis qui sont autour. Les amis qui sont autour, les envies. Ça, il va faire. Ah, c'est ça. Les amis c'est qui ça, sont autour là. C'est ça le vrai point. Ils sont qui? Ah, d'accord. Comme ça, ces questions-là, tu lui poses. Ah, d'accord. Je lance un appel, un communiqué officiel à toute la nation ivoirienne et panafricaine. Si tu me regardes, parce qu'il y a des filles qui commentent souvent mes vidéos pour dire, Kevin, tu es drôle, est-ce qu'on peut pas être amis? Si tu peux tout me donner.
je serai et ton ami et ton sakimini. Le sakimini, c'est celui qui attrape ton sac à main. Quand tu dis passe ici, je suis ici. Passe ici, où vénérée maîtresse. Parce que tu me donnes l'argent. Qui mais est prêt à amitié faire où un, je dois te donner crédit parce que tu me vois à la télé. Deux, quand on te donne conseil, tu penses qu'on veut gâter ton foyer. Trois, quand on te dit qu'il faut te parfumer, tu dis que tu es naturelle. Mauvaise fille. Je suis plus dedans. Info 2. Une cuisson épicée. Ça se passe chez nos voisins burkinabés, plus précisément dans la ville de Bourgandé. De jeunes gens ont été pris la main dans le sac après avoir volé le poulet d'une dame qui fait de l'élevage de volailles depuis plusieurs années. Une histoire apparemment ordinaire, sauf que les malfrats ont été arrêtés pendant la cuisson du poulet volé après avoir été dénoncés par d'autres jeunes du quartier. Donc vous volez dans le quartier et puis vous faites cuire le poulet dans le quartier. Quand tu voles poulet pour faire cuire, tu t'en vas dans une autre ville. C'est-à-dire c'est que ça. Si tu as volé poulet à Abidjan, tu t'en fais ça cuire vers tout bas là-bas. On te voit où? Vous, où vous volez là, c'est là-bas, vous voulez brouter en même temps. C'est pas comme ça. C'est vrai que le vol est proscrit par la loi. On ne peut pas donner conseil à voleur. Mais quand où tu voles là, c'est comme les gens qui trompent leur femme dans leur lit conjugal. Oui, vraiment. On peut être bête comme ça. Ah ouais, moi, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Mais évidemment, je suis dans le quartier, je vais faire papatoya. Moi-même, à la base, je suis sorti là. Quand les gens ne font pas parler, ce n'est pas bien. Brésil peut témoigner. Je témoigne. Aïe. Ah. Moi, tu me dis que les choses, ils répètent. Poulet, même, tu as volé, tu n'as même pas me donné un morceau. Et même si tu me donnes un morceau, tu vas me donner la tête et puis les pattes. En tout cas, je mérite la cuisse. Je suis quelqu'un qui mérite la cuisse, donc évidemment, je vais dire, je dirai, et je pense qu'ils ont bien fait. Mais la prochaine fois, voler le poulet et puis sortez du quartier pour aller le mettre au feu. C'est le conseil que je peux vous donner en tant qu'un frère. Voilà. Si vous avez volé ça à Bobo Dioulasso, allez-y, faites ça cuire. À les villes du Burkina, là. Ouaga. Mais Bobo, c'est dans Ouaga. Vous ne connaissez pas la carte de l'Afrique. C'est qu'il faut laisser. À Bourgandé. À Bourgandé. Hein. C'est ce qui était là-bas tout à l'heure. Il n'a qu'à simplement changer de carte. Faut aller manger ça à Info 3. Info 3. Prête à payer pour avoir l'amour. Une femme nigériane cherchant désespérément un mari a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux en pleurant. Elle a également ajouté qu'elle est prête à payer un salaire mensuel à celui qui voudrait bien se mettre en couple avec elle. Chers téléspectateurs de La Petite Sauce, si cette annonce vous intéresse, vous pouvez envoyer tout de suite vos candidatures. Ils ne vont pas envoyer parce que moi-même, je suis là. Oui, je savais d'aller dire ça. Me voici ici. Contrairement à ce que se dit, contrairement à ce que se dira, je peux faire nénissant. Tant que tu as l'argent, il y a tes mains jusqu'à ce que tu seras paniqué. Monsieur Daisy. Façon, il y a tes mains là. Daisy dit qu'elle cherche quelqu'un pour c'est payer. Ça. Elle l'a trouvé, elle paye. Coucou ma grande sœur Daisy Frangine. Et d'ailleurs, celui qu'elle paye là, avant qu'il me voyait, il saluait. Mais comme son argent est devenu beaucoup, il ne me salue plus. Mais toi, tu ne vas pas durer dans ce foyer. Toi que Daisy paye, que je vois souvent chez elle, toi, tu ne vas pas durer dans ce foyer. Parce que je vais trouver quelqu'un qu'elle va payer deux fois. Et puis lui, quand il va prendre l'argent, il va me donner un peu. Parce que quand vous payez un peu, vous pensez que vous êtes devenu Bill Gates. Mais moi, je suis là, hein. Je suis là, si je suis fatiguée, j'ai fait la passe à X-Men. Tu peux avoir deux employés, ça fait quoi? Tu viens de dire ma grande sœur. Non, je ne parle pas de Daisy, je parle de celle qui est au Nigeria. Mais tu ne sais même pas le salaire qu'elle propose, c'est combien? Elle est au Nigeria. Alors? Photo, vidéo, moi, je vois là. Ça, là, même, elle est en France. Elle a les euros, hein. Tu peux créer, hein, Kevin. Ben oui. Ça, apparemment, il neige, hein. De ça, il neige, où elle est là? En fait, si elle me consente, elle peut faire. Il neige, il neige pas, c'est un filtre. Taisez-vous dans mon gîte. Si je me concentre, madame, je vais y arriver. Mettez le chèque seulement sur la table. Elle se met à genoux même. Ça, là, même, ma façon de parler comme ça, là, je peux changer vite. L'argent en inquiète beaucoup sur moi. Toujours quand on se voit. Bonsoir, bébé, ça va? L'argent peut tout faire. L'argent. Bonsoir, ma doudou, tu veux quelque chose? Tu veux que je te fasse quelque chose à manger? Non, faut pas. Si par exemple, on va au restaurant, puis un garçon là, tu la regardes pourquoi là? Eh bien, toi, t'es un fou, toi. Je pense que je te prends, toi. Hey, j'ai comme mon micro est parti, pourtant l'argent n'est même pas encore là. Tu es technicienne aussi. Les heures perdues. C'est un live TV, il faut apprendre à tout faire, on sait jamais quand on peut t'en aller. Info 4.
Le vent de Booba à Didi B. On termine ce JT avec un petit moment gênant lors du FEMUA 2023. Parti soutenir son mentor pour son concert, Didi B a essayé de faire chanter son fameux Azalaka Peun à Booba, mais le duc de Boulogne n'avait pas l'air d'être dans le mouvement de son poulain. On regarde. Capin ou le lieu. Il va finir, il va finir. Moi je veux. Azalaka Peun qui t'en parle. C'est quoi le regard? Moi, franchement, j'ai regardé, je n'ai pas vu le moment de gêne. Moi, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu le moment de gêne, mais je tiens à dire aux Ivoiriens qui étaient au FEMUA que vous êtes méchants. Vous faites, on dirait, Azalaka Peun là. C'est l'accordéoniste de Edith Piaf. Tout le monde connaît. Azalaka Peun qui t'a parlé de botchot dans le poêle. Didi B vous demandait une seule chose. De dire deux botchots dans le poêle. Personne n'a parlé. Quand Didi B chante Azalaka Peun, vous êtes en transe. Mais le jour Boubé, là, vous faites en direct, il est en train de chanter en russe, comme si ça, là, vous n'avez jamais entendu. Pourquoi vous n'aimez pas mettre en haut vos stars même? Il fait beaucoup pour la musique. Pourtant, vous connaissant, vous les sautiez là, je fais mieux. Si Didi B disait, par exemple, poulet devient, tout le monde allait dire quelqu'un. Quand même, Azalaka Peun, je pense que c'est de la littérature. Pourquoi le public n'a pas réagi? Non, c'est Bouba qui n'a pas réagi. Ils n'ont pas réagi. J'ai dit, Azalaka Peun, c'est de la littérature. Il y a une plume, il y a une recherche littéraire, oui. Il y a des mots, il y a le phrasé. Qui oui. T'a parlé? Petit papillon, qui t'a parlé? De Botchon. Dans leur coin. C'est compliqué. Regardez, on n'a pas beaucoup de stars qui pèsent dans la musique. On n'a pas beaucoup de stars que quand les chanteurs français qui ont l'argent là, les voient pour dire que monsieur, lui-là, je vais le produire. Didi B, il est arrivé. 1, 2, 3, mettez caméra. On ferme le JT. Fakalo. De retour du JT à l'ail. Le JT imbibé de beaucoup d'ail. Quoi? C'est ton heure. Allez, Yiba, il va nous parler de mode, elle va nous parler de vêtements, elle nous dira en fait ce qu'on devrait arborer, ce qu'on devrait mettre, comment devrions-nous nous accoutrer. Voilà, c'est son instant, les épices de la mode de Yiba. Alors, aujourd'hui, on va parler de mode du Met Gala. Oui, parce qu'il y avait okay. Le Met Gala, donc... Aujourd'hui, je vais faire ça avec vous. Okay. Je ne vais pas vous donner des conseils aujourd'hui. On va réserver ça pour une autre fois. Aujourd'hui, on va parler des looks phares du Met Gala. Vous allez me dire, selon vous, quel a été le préféré, votre look préféré. Et je vais vous dire quel a été le mien et pourquoi. Voilà, donc on va commencer avec la première image. Regardez-moi cette magnifique tenue-là. Oui. Je ne sais pas qui était son créateur. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'était parfait. Ah non, ça c'est ça, mon genre. Tu vois, c'est... De tenue. Ouais. Je... Mon genre de tenue. De tenue. C'est pour dire que cette tenue-là, j'ai fait la... Non, ne parlez même pas. Non, c'est moi et celle-là. On parlait de tenue. Oui, je peux porter cette tenue du lundi au dimanche. Il faut continuer. C'est ton stylo. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup adoré cette tenue. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était classe, élégant. Ça reflétait vraiment le thème. Voilà, donc on va aller avec la deuxième tenue. Là, tout de suite, on a Hailey. Elle va jouer, c'est pas encore sorti, mais qui campe le rôle de la princesse, je sais plus qui. Oui, voilà, dans un film. De la sirène. C'était très beau, j'ai trouvé ça beau. Après, je trouve que c'est un peu redondant. Moi, j'aime pas du tout. Tout ce qu'il y a comme fleurs, transparence... Ouais. Je suis un peu fatiguée de ça. Mais ça lui comment ça, là. Mais c'est joli, ça lui va. La robe est belle, mais c'est les deux manches, là, c'est trop, en fait. Ça lui va. Moi, les maîtres du gala, on n'en a pas tous les mois, quoi. Donc, clair. Je pense que c'est l'extravagance à l'état pur. C'est vrai. Moi, je la trouve tellement belle, ça lui va tellement à la peau que moi, j'aime, en tout cas, franchement. Ouais, moi aussi, je trouve, mais après, c'est le côté trans... Bref, on va aller à la... Moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi, c'est vrai qu'avec ce gala-là, c'est très extravagant. Alors, lui, je sais que c'est le petit ami de Kendall Jenner. La tenue de devant, elle est magnifique. Devant, comme ça, quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, trop beau. Mais le décolleté arrière, là, waouh. C'est vrai que son dos, en fait, on voyait son dos avec une longue traîne. Oui. Ah, quand les gens portent aux États-Unis, vous dites que waouh.
d'eau et plus traîne là. Vous voyez les émissions, on fait une émission chaque année sur Live TV qui s'appelle Allons 2022, Allons 2023, ouais. Allons 2024 là. Tu vas faire. Ma tenue, mon dos sera dehors, chérie, il y a mon dos. Chérie avec un E muet. Et puis ma traîne va arriver jusqu'au bureau de Fabrice Aruna. J'attendais une occasion. Mais franchement, moi j'ai aimé. Honnêtement, j'ai vu le dos, j'ai vu le décolleté, comme tu l'as dit, le décolleté ouais. arrière. Mais moi, je suis tellement pour le fait que le maître du gala, c'est ça, oui, en fait. C'est tu ça. Viens pas habiller oui, comme tu t'habilles. Oui, c'est de l'extravagance, effectivement. C'est exactement, c'est de ça. L'extravagance à l'état pur. Et en plus, il avait des manches avec les fleurs et tout ça. Donc, c'était vraiment beau. J'ai trouvé ça élégant, c'était beau. Même on y va pour la prochaine font... tenue. Wouh ouais, ça, c'est la chérie de P. Didi. elle était magnifique. Mais elle s'appelle Karisha. Karisha, elle s'appelle oui. Young Miami. Elle était vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé ce côté... extravagant au niveau du haut, c'était waouh. Qu'est-ce que vous en pensez? Magnifique. Ouais, wow. Moi, franchement, c'est Young Miami, je l'aime ouais. trop. Franchement, ouais, le style. Beau. En plus, c'est son premier Met Gala, donc ça veut dire qu'elle a vraiment frappé fort. Quoi. Ouais, c'était très non seulement beau. Elle est arrivée avec une tenue mi-classe, mi-sexy, mais en plus, au bras de P. Didi. Ouais, c'était très beau. Ouais, aussi, on va y hein, aller avec Serena Williams. Ça y est, alors. Ça y est, moi, j'ai pas trop apprécié sa tenue parce que je trouve que. Pour une femme enceinte, déjà, son maquillage ne lui allait pas. Ils ont trop renforcé ses yeux. Son maquillage ne lui allait pas. Ça ne la mettait pas assez en valeur. En plus, quand tu es enceinte, souvent, il y a des femmes qui ont l'effet du masque. Du lips. Genre, tes lèvres deviennent comme si tu as mis du Botox. Ça s'enfle un peu plus. C'est très beau chez certaines femmes. Mais là, le maquillage ne lui va pas du tout. En plus, elle a mis des bottes. En dessous d'une robe, j'ai vraiment pas compris qui était son styliste. Cette tenue, ça l'a vieilli. Ouais, j'ai pas compris son maquillage. C'était trop. Mais ça fait too much. Trop d'accessoires. C'est trop d'accessoires. Et Serena Williams, j'ai jamais compris en fait son maquillage. Ça date même pas d'aujourd'hui. Elle n'a jamais un maquillage de ouf. On aurait pu envoyer Grace Kodo pour travailler son visage. Ouais. Malheureusement, elle est déjà à Live TV, donc on ne va pas l'envoyer. Coucou, Grace, je te fais plein de bisous. Mouah. Non, c'est vrai, Williams. Des pinceaux. Tu nous regardes certainement. Ouais, certainement. Certainement. Ouais. C'est vilain. En tout cas, c'est vilain. Prochaine photo. On y va pour la prochaine tenue. Alors, Doja Cat, elle est venue carrément représenter le chat de Karl Lagerfeld. J'ai beaucoup aimé sa tenue. C'est une personne qui est très poussée quand on l'invite à un événement. Elle va jusqu'au fond. Bon, elle a embrassé sa personnalité. Sinon, la tenue est très belle. J'ai trouvé ça très glamour, très Doja, quoi. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, ouais, à part très original, très beau. Et puis, voilà. Et vous savez qu'on lui posait des questions sur le tapis. Elle était là et répondait « Miaou ». elle est vraiment dedans. Pididi. Ouais, c'était Pididi. Pididi était majestueux. Beau. Pour moi, c'est l'une des meilleures tenues de ce Met Gala. L'une des meilleures tenues parce qu'il nous a mis plein la vue. Franchement, il était assorti avec sa chérie. C'était une entrée majestueuse, royale. On y va pour la prochaine tenue. Moi, c'est ma préférée, cette tenue. Cardi B, je l'adore, cette tenue. Franchement, elle avait une première tenue et ça, elle s'est changée pour la deuxième tenue. Sa deuxième tenue était magnifique. Non, j'adore. Elle a expliqué que la coiffure, c'était pour rappeler, pour rendre hommage au Playboy. Le côté costume, c'était vraiment Karl Lagerfeld. Ouais. Et le volant, le côté très évasé, c'était vraiment pour rendre hommage à Karl Lagerfeld. On va aller pour la dernière tenue. Aussi extravagant. Burna Boy. Donc, Burna Boy, je ne sais pas si c'était son premier Met Gala, mais bon, c'est too much. Je trouve ouais, ça too much. Stylé, mais c'est pas très Après, ce n'est pas quelqu'un de très stylé à la base, hein, je trouve. Donc, bon, voilà, mais bienvenue c'est à Met Gala. C'est stylé, je trouve, le modèle quand même. Ça sort de l'ordinaire. Après, on aime ça ou on lui aime va, pas. Mais voilà. Sans plus, voilà quoi. J'ai pas grand chose à dire. Mais on dit qu'à la gaffelle, tu portes à billets bleus dedans. Si, il n'était pas le seul, hein. S'il te plaît. La même tenue a été portée par 3 ou 4 personnes, ce même motif-là. Apparemment, c'était une collection de Karl Lagerfeld. Hein, je ne connais pas, ce n'est pas mon grand-père. Je n'ai jamais vu du bleu comme ça. Il n'avait pas le choix, il avait beaucoup de tissus en plus. Merci beaucoup, Ibaï. Merci de nous avoir suivis. Tapis. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Merci, on a pris un plaisir fou à vous présenter cette émission. À demain. À demain.